Eh bien salut tout le monde, c'est Warlock, aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo sur The Evil Within 2. Et la dernière fois on a tué encore un boss lance-flammes. Je sais pas comment on les appelle, hein. Moi je les appelais les O'Neill. Ah. Oui mais je pense pas que c'était O'Neill même. On va sauvegarder déjà, c'est une bonne chose. J'avais pas sauvegardé. Voilà. Hop, on enlève le tel. Enfin si je peux appeler ça comme ça. On ferme la porte. C'est très important. Et on va défoncer cette porte là. Automatiquement, j'ai même pas appuyé. Bon, j'aimerais bien avoir le deuxième réservoir, mais j'aimerais pas avoir le deuxième boss en fait. Ah, et là, il y avait des trucs que j'avais pas récupéré. Hop. Hey. Ah, c'est fermé, merde. Je sais qu'on pouvait trouver une clé quelque part, mais je ne m'en rappelle plus où. Parce que j'avais vu un youtubeur qui avait trouvé une clé. Donc là, j'ai mon sprint à fond là. Est-ce que c'est bon? Oh oui, le sprint il est parfait là. Faut pas s'approcher d'eux quand ils sont en feu, je m'en rappelle. Non, 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 non. Ça commence très très bien, mais au moins on peut tester l'endurance. Putain, ils font sur moi le con. Putain, je l'entends. Mais non, espèce de con. Retourne-toi, retourne-toi. Non! Pas cette chance la prochaine fois. Et voilà, les buissons, attention. Hop là, ça y est. Les buissons, ça marche toujours. Mode frérot ne reviendra pas. Enfin, j'espère. Qu'est-ce que c'est que ça? Certainement un truc qui explose. Je vais aller voir là-bas. Il y a plein d'objets qui clignotent en fait. Si c'est pour des bouteilles, je m'en bats les steaks. Enfin, merci de m'en donner une, mais après, je veux plus de bouteilles. Hey, qu'est-ce que c'était que ça? Une plante. Super. En plus, il me faut des seringues là. Bon, je vais pas retourner là-bas pour en fabriquer. Non, merci. Récupérer tout ça. Allez, régale-moi là. Oh, sérieux, y a rien. Ah. C'est pas forcément ça que je voulais, mais bon, tant pis. Je vois pas se plaindre. Oh! Putain, il m'a fait peur le con. Allez! Allez, Sébastien! Voilà. Maintenant, on attend qu'il vient. Non! Ça, ça se fait pas, ça. Alors ça, ça se fait pas. Où est-ce qu'il est? Ah, il est là. Non, mais cours! Je vois rien. Quoi? Mais c'est quoi ce délire? Oh le mec il m'a pas vu. Oh le con. Oh je préfère tuer lui hein, bah oui. Je sais pas où est-ce qu'il est. Il est là. Non. Allez. Au revoir. Oh c'est galère hein. C'est très galère là. La difficulté elle est extrême. Vous me croyez peut-être pas mais je vous jure c'est pas facile. Prendre ça.
Alors l'autre bonhomme que j'ai tué, il est où? Ah, il est là. Le truc qui m'embête, c'est qu'il reste pas mal. Non? Est-ce que je peux prendre ça à travers? Oh, elle m'a fait peur, elle. Apparemment, non, donc je vais aller dans cette zone. Alors là, ça va être plutôt un épisode. Allons chercher des objets pour se préparer. Parce que là, il me faut des ressources après le boss que j'ai tué dans la dernière vidéo, là. Ah non. Non! Y'a pas de plante! Putain, merde! Cours, 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 cours! Non! Non, mon ami! Allez! Au revoir! Ce qui est bien, c'est parce que quand ils me trouvent, ils sont presque pas en feu à chaque fois. C'est bien ça. On vide la zone. Oh merde, il y a encore un train. Je déteste les trains. Je déteste les ennemis là aussi parce qu'ils sont très puissants. Personne se réveille, hein. Putain, cette cartouche de pistolet, c'est pas pour rien. Il y a une pochette là. Quand on me donne 7 cartouches, j'utilise double à chaque fois. Pochette améliorée pour fusil à pompe. Ouais, mais j'ai pas tellement de balles là. Alors? Opérateur de Mobius décédé. Poudre à canon. Allez, je vais y aller. Je ne sais pas où est-ce qu'il se trouve par contre. Juste ici. Pourquoi je peux pas ah voilà, non je peux pas, ah excusez-moi, tu m'expliques ces cartouches qui volent. Bon, petit bug. Y a rien qui se passe, hein. Ah, tant mieux. J'ai peur de tomber encore sur l'autre lance-flamme. Ça serait pas impossible. J'ai peur de tomber encore sur le fantôme. Ça ne serait pas impossible. Surtout qu'on est au jukebox. C'est là où est-ce que la dernière fois le fantôme est apparu. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose dedans? J'imagine bien que oui. Tu mens. Allez. Putain, merde, partout. Putain, le con, c'est quoi ça? Non. Accepte ce flamme. Quoi? Mais attends. Mais non, t'as pas le droit de me faire ça. T'as pas le droit, 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 t'as pas le droit. Vite, 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 vite. Merci. Attends, mais à quel moment, quoi? Attends, parce que là on est dans la merde là. Putain, fallait rester dehors. Après on a le lance-flamme si on arrive à le tuer. Mais avant ça, je veux un checkpoint, du coup je retourne à la planque. Je suis obligé de retourner. Je sais à peu près où est-ce qu'il se trouve, c'est pas un souci, mais il faut que je retourne à la planque là. J'ai tué tellement d'ennemis. Putain, il est là. J'ai cru voir des. Putain, il m'a fait peur. Puis mon chien qui bouge en même temps, là, il me fait peur aussi. Allez, 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 allez. Je sais, j'ai vu quelque chose, j'ai pas le temps. Vite, vite.
Vite, récupère, récupère, récupère tout, on s'en bat les steaks. Je suis jamais grossier, c'est pour ça que je dis ça. Allez, c'est quoi ça? Ah non, ça. Oh! Attends, peut-être si je la tire ici tout à l'heure, je peux le faire exploser. Attends, c'est bon à savoir ça. Attends, d'abord, vu qu'on l'a un peu échappé, on va regarder ici ce qu'il y a. Ah, des balles. Parfait, parfait, parfait. Voilà pourquoi il faut explorer. 6 balles, quoi. C'est énorme. Dommage que j'ai pas les dégâts à fond. C'est vraiment dommage. Allez, je klaxonne. Non. J'ai pas réussi, et tant mieux. Y'a rien dedans, t'es sérieux, mec? Je crois que je vais prendre des trucs explosifs. Hein. Ouais, je vais me prendre des trucs explosifs, ça sera beaucoup plus simple. Parce que sinon, je vais gaspiller toutes mes balles. De toute façon, on l'a bien vu tout à l'heure. J'ai réussi à l'échapper, j'y crois pas, quoi. De retour. Mon sprint, il vaut vraiment le coup, là. Petit chat, t'as rien pour moi? Non, je crois pas. Oula. Alors, fais-moi plaisir. J'ai 20 balles de pistolet, je crois. Ouais, bon, en balles, on va pas dire que je suis parfait, mais c'est quand même pas mal. En explosif, par contre, je vais en prendre 6. Parce que j'ai pas le temps. Ça, je vais en prendre 1. Voilà, pour ça, non. Trousse de soins. Une. Enfin, trousse de soins. Non, c'est pas une trousse de soins, mais c'est pas grave. Ouais, je pense que là, on est bon. Ok, donc c'est reparti. Boire un petit café, tiens. Ça aussi, c'est pas mal. Voilà, ça fait du bien. J'ai pas ma vie à fond, largement pas, mais bon, tant pis, de toute façon je compte pas sur ma vie, je compte sur mon endurance et mon attaque. Après j'ai très peu de points en combat, mais justement je compte sur ma furtivité. Le problème c'est que lui on peut pas le prendre en furtivité, c'est bien ce que je me disais en plus. Alors, ah oui, je suis carrément bien là. Dès que je le vois, j'ai mis un truc explosif. Alors ce qui serait bien c'est que je le ramène ici parce qu'il y a plein de trucs pour le faire exploser. Faudrait que je gaspille, non au contraire. Faudrait que j'attaque pas trop avec mes munitions en fait. Je l'entends. Je l'ai entendu. Je ne sais pas où est-ce qu'il est par contre. Où est-ce qu'il est ce petit? Enfin ce grand plutôt. Putain. Oh merde. Allez viens viens viens. Quoique non parce qu'en fait il lance des trucs, du coup ça va être chiant. Du coup je vais quand même mettre mes carreaux. Allez viens par là toi. Non. Pourquoi ça explose pas? Mais non! Si! Tu vas brûler! Non. D'où le nord s'en appelle? Attends, il faut que je récupère ça! Vite. Merde. Merde. Il est où lui?
J'ai plus d'endurance. Pourquoi j'y tire dedans? J'ai plus d'endurance, j'ai plus rien. C'est bon? Non, il est pas mort, il est pas mort. Si, je peux lui tirer dans la tête en fait. Fusil à pompe, fusil à pompe. Accepte ces flammes. Non. Attends, la voiture elle peut exploser, non? Je vais éviter, ouais. J'ai plus de balles de pistolet! C'est une blague! Fusil d'assaut! Je suis coincé. J'ai plus de balles là! Je sais pas. Si, merde! Oh, mais il crève pas lui! Putain, en plus il y a des zombies à côté, merde! Ah, c'est couillon ça! Plus de punitions, bah bien sûr, bah oui, c'est le moment, Sébastien. Ah bah oui, c'est largement le moment. C'est le moment de plus avoir de munitions, hein, bah oui. Bah j'ai que le fusil à pompe. Et crève toi aussi. Non. Non. Mais cours, Sébastien, cours. Cours, je te jure. Eh, hey, tu te mets ta seringue, tu... Mais si! Mais non! Non! Mais dégage! Mais regardez ça! Non! Mais non! Mais c'est pas possible! Même si c'est pour une balle, je prends. Oh putain! 20 poudres à canon! Hop, 10 balles de pistolet, c'est parfait. Il est juste là-bas, regardez. Il est juste là-bas, il est rentré là. Il est juste en train de tout cramer là. Ouh, je suis là. Merde. Eh oh! Ah! Quoi, il m'avait pas vu? Tu vas brûler. Arrêtez de m'inviter, vous êtes saoulant. Hein. Et putain, ça me casse les... Vas-y, il est bug là. Et vas-y, mais qu'est-ce qu'il fout ce con? Mais qu'est-ce qu'il fait? Putain, il arrive, je crois. Le truc, c'est qu'à chaque fois, je suis coincé. Regardez, il y a un mur, là. Mais il est où? Genre, tu me fais peur. J'arrête ce jeu. Non, moi je sors de là, t'es fou toi. Tu seras purifié. Putain, il est où? Il est là. Allez. Allez, mais non, non! Pars pas là-bas parce qu'après tous les zombies vont venir. Il nous guidera. Pardonnez-moi, père. Je l'ai perdu. Allez, meurs! Mais non, qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce qu'il fait?
T'es mort? Tu vas brûler. Non! J'ai pas envie de brûler. Je déteste les flammes. Tu n'échapperas pas à tes péchés. Et crève! Mais qu'est-ce qu'il fait? Putain, le truc automatique, mais vraiment une très bonne idée, hein. Mais crève, 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 crève! T'es mort? Non. J'ai plus de balles! Mais qu'est-ce qu'il fait, Sébastien? Putain, j'ai plus de balles. Tu seras purifié. Oui! Oui! Oui, monsieur! Oui! Oui! Oh la galère! Réservoir de combustible pour lance-flamme, ça j'ai déjà lu. Et voilà, j'ai toutes les pièces qu'il me faut. On va fabriquer ça tout de suite. Sauf que j'ai plus de munitions de pistolet! J'ai encore l'arbalète, c'est vrai. Bon, j'ai pas utilisé ça, c'est dommage, mais bon, après ça servira à rien, c'est lui qui me le ferait exploser sur moi, je pense. C'est dommage que je trouve pas la clé pour aller là, je sais plus où est-ce qu'elle est. C'est vraiment galère, hein. Alors que je suis seulement en mode survie et pas en mode cauchemar. Après il y a le mode détente aussi, mais bon, ça c'est plus simple. Je sais pas s'il y a le mode accumu, je crois pas. D'ailleurs j'ai vraiment eu peur hein, quand il est venu de la salle, il m'a fait peur. Vraiment. Allez, fais voir. Hop, fabrication, lance-flamme. Hop là, lance-flamme, cette arme est... inhabituelle peut servir à couvrir rapidement une zone de liquide enflammé. Lourde et encombrante, elle limite vos mouvements. Le carburant sera placé directement dans le lance-flamme après fabrication. Ro vous permet d'accrocher le lance-flamme dans votre dos pour vous déplacer plus facilement. Combustible de lance-flamme. J'en ai à fond. C'est un truc. Et c'est cher quand même parce qu'avec tout ce que tu dois faire. Et ça, j'aurais pas assez. Ok. Bon, sinon, Tatiana. Inspecteur Castellanos, c'est toujours un plaisir de vous voir. Pourquoi vous lui avez mis des sandales, quoi, depuis le 1? Ça fait dégueulasse. Est-ce que je peux te parler? Comment voulez-vous que j'aie... Non. Ouais, parle-moi de la confronte. Il n'y a aucun mal à être trop prudent, mais vous ne pouvez pas éviter la confrontation pour toujours. Vous devriez peut-être opter pour plus de compétences de Hop. Combat. La vie. Ça, c'est pour la vie aussi. Moi, la capacité à le maximum de la vie de santé. Allez. Hop. Et ça, on attendra. C'est tout bon. Fais voir ma vie maintenant. Ouais. Bon, on peut continuer à explorer, mais... Attends, le café, il y a combien? De toute façon, j'ai la vie à fond. C'est long, hein, le café, hein, pour qu'il se régénère. Enfin, qu'il se régénère. Qu'est-ce que je dis, moi? Sauvegarder, vite fait. Oh, c'était galère à les tuer. Je vous conseille vivement de les tuer, parce que ça rapporte quand même pas mal de gel vert. Et au moins, vous avez lance-flamme. Faire le lance-flamme après. Mais après, c'est vrai que ça vous use tous vos balles. Alors, faire le lance-flamme. Le lance-flamme, il est là. Oh, regardez ça, quoi. Sauf qu'on peut pas courir. Ah, si. Regardez le truc dans notre dos, quoi. J'ai envie de l'utiliser, mais bon, non, non, ça coûte cher. J'ai pas utilisé. Regardez le truc dans notre dos, quoi. C'est débile. Par contre, j'avais vu qu'il y avait des plantes encore là-bas. On va visiter, vous inquiétez pas. Merde. Attends. Oh là-bas, j'ai vu un gros, là. Putain, non, le con. Putain, qu'est-ce qu'il fait, Sébastien? Discrétion. Ouais, mais non, en fait, je voulais pas être discret, c'est ça le problème.
Allez, viens à toi. Allez, viens. C'est terminé pour toi. Les poudres à canon, super. Je fais gaffe parce qu'on a un autre qui est parti par là. Il fait quoi là? Il prie? Non, 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 attends, attends, attends. Voilà. D'abord je le tue, on en reparlera après. Au revoir mademoiselle. C'était votre mari, bah je suis désolé. Des hommages. Putain, elle court vite. Piétine, piétine. Voilà. Tant pis, j'ai utilisé une cartouche de pompe, mais bon, je suis obligé. On est bien d'accord, il n'y a plus les mecs au lance-flammes, hein. Vous me faites pas peur avec, hein. J'ai pas forcément peur d'eux, mais des fois ils viennent dans les coins, ça fait hyper flipper. Il faisait juste prier en fait, mais il prie le père Théodore, donc je suis pas d'accord. Ah, il y a de l'essence, mais c'est quand même utiliser une balle de pompe. Hein. Une poubelle, on va fouiller ça. Ah, une bouteille aussi. Ah, on peut pas fouiller cette poubelle, d'accord, très bien. Je dis très bien, c'est pas forcément que je suis content, hein. Je tiens à vous le dire. On va refouiller ça au fait. Je déteste principalement le jukebox maintenant. Et là normalement il y a un truc qui apparaît. Comment ça non? Bah apparemment non. C'est dommage. Ici il y a toujours le feu. Pas le fantôme hein. Je suis désolé si c'est un épisode cherchon, mais bon, il y a eu quand même de l'action avec le gars là. De toute façon, il faut tout fouiller. Oh, stylé! C'est la musique du 1! Oui. Long way down. Bon, j'arrête. Oh, bien joué, bien joué. C'est super bien. C'est normal, c'est dommage qu'ils ont pas mis la musique du 2. Elle est encore mieux. Il y a quelque chose, une statuette, non? Ah, oh, je suis dégoûté. Ah, je suis pas venu ici pour rien. J'ai déjà été dans ces wagons, donc on peut faire demi-tour. Alors, sur la carte, on est où? Je crois que bien qu'on a fait tout ça. Ça fait plaisir d'entendre cette musique. Je l'entends encore. Ah! Oh, ouais, Sébastien, doucement, doucement! Pas attendre Mobius décédé. Je pense que la clé, je peux plus la récupérer de toute façon. Ah! À moi. Je peux pas passer par là, un mur invisible m'en empêche. Alors comme je le dis, la jauge de sprint est très bien, mais pour fuir les ennemis, c'est nul parce qu'en fait les ennemis ont quasiment sprint infini. Et en fait ils vont vous rattraper. Ah, j'ai cru qu'il y avait une statuette, mais non, ce n'est pas une statuette, c'est dommage. Je vous rappelle que j'ai besoin de 800 pièces, ça va être hyper long. Je sais même pas si j'aurai assez pour la fin. Et c'est pour mon pistolet, pour l'améliorer à fond. Il est là l'opérateur. What? Il est un peu bugué Sébastien, mais c'est pas grave. 5 pièces détachées, vous êtes radin, oui. C'est super joli quand même. Oh, 1500 gel vert. Ok, il y avait du gel vert sur lui le mec. Il n'y a pas le temps. Statuette devant, je crois pas.
Pas tant de Mobius décédés, mais combien il y en a qui sont décédés, quoi? J'aimerais savoir. Peut-être ça aussi, hop, de la poudre à canon. J'aimerais beaucoup plus de poudre à canon, hein. Comme 20 tout à l'heure quand j'ai trouvé, heureusement que je suis passé par là. Hein. C'est énorme. En une boîte. Oh putain. Oh putain de merde. C'est un malentendu. Non, 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 moi je suis pas d'accord. Mais j'étais pas allé ici tout à l'heure. Non, 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 attends, 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 avant l'attaque furtive, parce que là, il est en feu. Non, 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 Sébastien, va te faire ton con. Allez, allez. Mais qu'est-ce qu'il fait? Oh là là, c'est hyper dur. Il y a quand même pas mal de bugs encore dans ce jeu, hein. Il va me voir, là. Là, je nettoie un peu la ville, comme on peut dire, en langage propre. La brasserie du diable. Regardez-moi ces gros trucs là-bas. Ces trucs gluants. Allez, remets-toi en feu, parfait. J'attends que tu remets normal. Comme maintenant. Voilà. Merci mon ami. Qu'est-ce qu'il y a ici? Des matériaux. J'en ai quand même pas mal là. Il y a des bouteilles, enfin une bouteille. Je veux dire, j'ai quand même fait le ménage. Hein. J'aimerais vraiment un point de sauvegarde. J'ai ma vie qui est quand même pas mal. J'ai une seringue au cas où. Bah, ma vie quand même pas mal, elle est à fond. Donc, je sais pas si je peux les prendre par surprise. Les gros là. J'ai un énorme doute. Sauvegarde. Non! Putain, toute ma vie que j'ai perdue! Oh, c'est dégueulasse. What? J'ai plus de... What the fuck? Attends, 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 attends. Ah, voilà. Ah non. Wow, regardez les bugs. Ouais, je suis mort, hein. Je suis clairement mort. Je suis clairement mort. De toute façon, c'était sûr. On va aller juste ici parce qu'il y a un opérateur de Mobius décédé. Qu'est-ce qui se passe encore? Encore un opérateur de Mobius décédé. On va aller voir ça. Hein. Il y en a un juste ici. Ah, c'est à côté de la mission. Ok. La mission, on ira après, enfin, dans le prochain épisode, je pense. Ça dépend. Oh, merde. Je suis un con. Je suis clairement un con.
C'est safe ou pas? Non, t'es pas sérieux. On a encore entendu un là. Je peux ouvrir là, mais j'ai pas envie. Eh, ils ont tous disparu, what the fuck? Mais prends! Merde. Pochette améliorée, très bien. Je sais pas où est-ce qu'ils sont partis, mais bon, ça serait bien que je vais là ensuite. Seringue. Une seringue dedans là. Prends, prends, prends. Il prend pas. Regardez, regardez ce jeu bugué. Voilà, non, j'ai appuyé pour la seringue, j'ai pas appuyé pour que tu remontes. Corps. Point de sauvegarde, s'il vous plaît. Tu vas pas monter, dis-moi. Dégage. Non, 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 dégage. Attends, déjà... On a un juste là. Putain. T'es pas sérieux? Je suis pas là. Ouais, si tu restes là, j'ai lancé une bouteille, ça fait rien, donc je vais essayer de faufiler. Putain. Eh, ça m'a pas touché, je crois. Je suis pas sûr. Oh non, l'autre par contre là-bas il me soupçonne. Allez, 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 allez. Oh non, on court pas. Trop tard. Allez. Eh, c'est vraiment compliqué ce jeu. Plus si l'autre il continue à bouger l'autre ou pas là. C'est vraiment bugué hein. Ouais, je me montre. Bon, j'ai perdu un peu de vie, mais bon, je regrette pas, je me suis un peu écarté. Bon, c'est vraiment dégueulasse comment il explose. Les intestins de partout, quoi. Moi, il est mort, c'est le principal en fait. Je le tue par des bugs. J'ai pas de balles de pistolet. Après, je peux en créer, mais bon, j'ai la flemme de retourner. On a juste là. Il bouge trop, il faudrait que...
Par exemple là maintenant. Non, c'était une très mauvaise idée sinon. Regarde, là je peux la voir là. Parfait. C'est bien la compétence de tu as couvert, vraiment très bien, je vous la conseille pour ceux qui ont le jeu. Pour ceux qui vont l'avoir. Attends, là, il y a plein de matériaux, sérieux. Oh, regardez-moi le matos. Ah ouais, mais si c'est que 5. Ah ouais, donc ouais. Pff. Il faut 95 matériaux pour. Ça peut se faire. Tu vas brûler. Vous êtes pas sérieux. Où es-tu passé ? Vous êtes pas sérieux. Non, lui, je tue pas. Putain, vous êtes sérieux. Il y a l'endroit où est-ce que je veux aller. Je vais essayer de contourner. Bah non, il est là-dedans, en fait. J'en sais rien. Je crois pas. Ah non, je suis au bon endroit. Hoffman, l'hôtel est sécurisé. Vous avez terminé vos réglages? Je suis un peu plus prête. Ok, je vous envoie les coordonnées. Non, pas maintenant. Mais pas maintenant. Bien, le voilà. Qu'est-ce que c'est? M'en fous, je fais pas ça maintenant. C'est un stabilisateur de champ portable. O'Neill a dû travailler dessus avant que Théodore ne le transforme. Il crée une petite zone de stabilisation qui devrait vous protéger du feu. Petite, c'est-à-dire? Sa circonférence est proche de celle d'une planque. C'est donc. Je sais pas que c'est la mission principale, sans plus. Très bien. Comment ça fonctionne? C'est là que ça se corse. Il s'agit d'un prototype. Il est donc légèrement. Pas maintenant. Il faut que je sois aux commandes. Vous voulez sûrement pas qu'il tombe en panne au beau milieu de l'enceinte de flammes? Je ne vous laisserai pas venir avec moi. C'est trop dangereux. Aussi dangereux que de rester ici si vous parvenez pas à entrer. Et puis j'en ai marre de me cacher. Notre seule chance d'y arriver, c'est de collaborer. C'est la seule manière de sauver Lily. Et si vous aviez besoin d'une psychanalyse d'urgence, qui vous aidera, hein? Vous avez toujours les mots pour me convaincre, Hoffman. Évidemment. Je suis la psychologue de l'équipe. Ça, on ne peut pas vous l'enlever. Vous voulez sans doute vous préparer. Dites-moi quand vous serez prêt. Ah, je suis pas prêt, justement. Pas Hoffman pour aller... non, pas maintenant. Ah! Oh! 80... Oh! Oh mon dieu! Je vais faire un malaise. Regardez tout ce que j'ai. Qu'est-ce que c'est ça? Journal de Hoffman. L'écriture de ce journal est difficile à déchiffrer, mais à force d'efforts, vous parvenez à décrypter la dernière entrée. La transformation de Liam était horrible, mais fascinante. Elle dépassait de loin la programmation neurolinguistique. Les paroles de Théodore ne se sont pas contentées d'influencer Liam. Elles l'ont physiquement transformé. Pas étonnant que Théodore désire contrôler le STEM. Cette machine lui permet d'amplifier l'influence déjà incroyable qu'il a eue sur les gens. Les choses qu'il arrive à faire ici. Sébastien n'est pas aussi faible que Liam, mais il souffre toujours d'un traumatisme latent. Théodore essaiera d'utiliser ses nouvelles aptitudes pour briser Sébastien. J'espère simplement qu'il est assez fort pour y résister. C'est sympa ça. T'aurais pas un peu de matériaux encore? Là, y a un miroir, c'est super bon. J'ai encore besoin d'un peu de matériaux. Bon, je vais chercher ça dans la ville, c'est pas grave. De toute façon, je ne suis pas prêt. Il est pas là, l'autre. Hein. Bon, sinon, il est toujours là ou pas? Parfait, parfait, parfait. Il est où? En tout cas, il y a du matériau. J'ai assez. Allez, allez, allez. Pochette améliorée, fusil d'assaut, ok. Allez, dépêche-toi. Je vais aller vers le miroir. Allez, go, 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 go. Ouf. Ah, vraiment, je suis chaud, là. Miroir. Qu'est-ce qu'il y a, petit chat? Je t'ai entendu miauler. Tout va bien. Alors,
Et ben on peut améliorer le pistolet à fond. Enfin, améliorer le pistolet à fond. Ses dégâts. Oh, ça va faire mal. Allez. 200%. Oh, ça va piquer. Pistolet de niveau 3, quoi. Alors ça, par contre, des balles de pistolet, je dirais pas non. Seringue, je dirais pas non. Carreau harponneur, je dirais pas non. Voilà, ça c'est bon. Combien j'ai de gel vert? 6950, je vais voir ce que je peux faire. On devrait arrêter de se voir autant, inspecteur. Ah, mais c'est toi qui est là, hein. C'est pas moi. Il moi j'ai besoin. Aucun mal à être trop prudent. Elle m'énerve. Vous ne pouvez pas éviter la confrontation. On va essayer d'éviter automatiquement une attaque qui vous aura touché, ne fonctionne pas toutes les attaques. Plus de compétences de combat. Non, j'avais dit que je gardais pour la santé, je crois. Ouais, j'avais dit. Ouais. Ouais, bah les amis, c'est la fin de cette vidéo. Je suis désolé, je sais qu'elle sera très courte. Bon, allez, juste pour la fin. Un peu de stand de tir, ça fait longtemps. Mode galerie. Tir libre, facile, normal, difficile. On va essayer normal. Merde. Putain, je suis une merde. Ah merde. Putain, je suis une merde. Wow. Je fais des têtes, hein. J'ai pas le temps, moi. Je suis quand même pas mal. Oh. C'est tout? Ouais, pas mal. Et j'ai gagné quoi? 1000 gels verts. Et ce que j'ai à faire en fait, c'est que j'arrête pas de faire ça en fait. Et ben merci Tatiana. Alors dernier truc maintenant, avant de se dire au revoir. J'ai obtenu des pièces en fait. Je vais voir ce que je peux améliorer. Alors, pour le pistolet, vitesse de rechargement, c'est combien? Ah, j'ai pas assez, il m'en manque 10. Capacité de munition. Cadence de tir, ça j'ai à fond. Capacité de munition, ça coûte combien? 120. Allez. Ça aussi, ça coûte 120. Donc il me faudra encore... 280 pièces en tout pour avoir le pistolet à fond. En tout cas les amis, c'est la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner comme d'habitude, à liker la vidéo, à la partager, à laisser un petit commentaire. Moi je vous dis ciao tout le monde.